Alors, on se retrouve pour la deuxième étape de notre Tour de France. Deuxième étape qui relie, je sais même plus. Voilà, Utrecht à Zélande avec un seul sprint. Est-ce que cette année, j'ai pas regardé, est-ce que les sprints. Ah oui, les points, c'est pareil que les autres années. Sauf que à l'arrivée, maintenant, il y a des bonifications. 10 secondes de bonification et 50 points. On est parmi les favoris de aujourd'hui. Notre équipe, voilà, doit plutôt courir devant pour protéger. On va tenter de protéger notre leader. Arnaud démarre et son gardien de la journée, hein, même pour tout le temps, hein, c'est bien sûr William Bonnet. William Bonnet, doit le protéger. Alors, on fera des étapes en continu, comme on. Mais en accéléré là pour le début, on va accélérer un petit peu et on reviendra aussi sur l'étape qui a eu lieu aujourd'hui en IRL, le contre-la-montre. Alors le contre-la-montre qui a été remporté par Juan Denis, il était parmi les favoris, mais c'est quand même une petite surprise parce qu'on aurait plus cru à Tom Dumoulin devant son public ou à Tony Martin, toujours très très fort, mais peut-être un contre-la-montre un peu court, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Ou Fabien Conchellara, mais bon, Fabien Conchellara est plus sur la pente descendante. Il n'est plus vraiment au niveau qu'il était il y a quelques années. Thibaut Pinot fait un très bon contre-la-montre, hein, parce qu'il est devant les quatre favoris, hein, qui sont Quintana, Contador, Nibali et Froome. Voilà, il fait un bon contre-la-montre, mais je pense que les quatre là fantastiques n'ont pas vraiment tout donné, hein, et ils sont. Leur pic de forme, je pense, sera plus dans la deuxième et troisième semaine. Là, ils vont tenter de limiter la casse dans la première semaine. Et pour dans les semaines, dans la deuxième et troisième semaine qui sont plus montagneux, vraiment être au top de leur forme. Mais c'est très très bien pour Thibaut Pinot. Sinon, ben, les autres Français, ouais, on fait Romain Bardet, j'ai pas vu son classement. Jean-Christophe Perrault, pas mal. On va aller chercher du ravitaillement. Et on va bien sûr. Le sprint qui est à 28 km. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt calme, hein, cette étape. 4 hommes devant. Hein, on va. Voilà, 4 hommes avec Luce De Bruijn. Ouais. Hop on revient sur la course. Voilà le classement. 38e pour Luc De Bruijn sur ce premier. Voilà. On va peut-être ralentir là. Parce que faut qu'on prépare Arnaud démarre. Qui prennent les roues des meilleurs, hein, pour tenter d'aller chercher le sprint intermédiaire parce qu'il y a encore quelques points à aller chercher. C'est notre objectif, c'est le maillot vert, hein. Et voilà, tenter d'être dans la roue de Kripel serait pas mal, dans la roue d'André Kripel.
pour l'instant. Voilà, être dans la roue d'André Krippel pour Arnaud Démare. Voilà, avec bon, toujours le maillot de champion de France. Il n'y a pas eu de changement. C'est plus lui le champion de France, mais. Mais voilà, c'est toujours lui. Il n'y a pas eu de change de nouveau patch pour réussir à changer ça. Arnaud démarre, voilà, faut William Bonnet te remonte. Pour l'instant, pas trop trop bien. Arnaud démarre, voilà. Allez, faut être dans la roue de Krippel. Absolument. Tenter de prendre sa roue pour l'instant. C'est pas vraiment ça. Si si, c'est bon. On est bien pour l'instant, on est bien. Là. Au sprint intermédiaire, le peloton qui est emmené par hop là. L'équipe de Mark Cavendish, et pour l'instant on est dans la roue, ça c'est pas mal. Allez, là. Et là c'est bon, allez, faut y aller. Allez, Arnaud démarre, là faut aller chercher les points, ça c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal pour Arnaud démarre. Superbe. Superbe Arnaud démarre. Je pense qu'il a été chercher quelques points. Arnaud démarre, voilà, cinquième, c'est pas mal. 11 points de prix dans ce sprint. En espérant que le sprint final soit aussi bon. Voilà, c'est pas mal. Faut qu'il récupère là. Arnaud démarre, faut absolument qu'il récupère. Mais il est en bonne forme, peut-être pour aller chercher la victoire d'étape. Alors, ah oui, le contre-la-montre avec oui la victoire de Juan Denis. Les sprinteurs sont pas trop dans les premières places. Alors peut-être que Juan Denis peut conserver son maillot demain. Alors Jérémy Roy doit aller chercher encore le ravitaillement. Pour l'instant, nous, on va pas rouler. Hein. On va laisser l'autre équipe rouler. Hein. Les autres équipes rouler, se fatiguer. Et emmener peut-être notre train sur le final. En espérant que je sois meilleur que sur l'ancien. Voilà, alors là, Jérémy Roy qui va chercher le ravitaillement pour tout le monde. C'est bon, il ravitaille tout le monde. Pour un final spectaculaire, on va tenter d'aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui et peut-être le maillot vert, être dans la bagarre pour le maillot vert. On est à 27 km de l'arrivée. Pour l'instant, Arnaud démarre est très très bien. Alors là, parfait, c'est parfait. 1 minute 24. Voilà, on va ralentir un tout petit peu. Pour l'instant, c'est bien sûr l'équipe de Krippel qui emmène. Ah, parce qu'on n'avait pas fini de regarder les échappés. Il y avait Tankin, De Geert, voilà, devant leur public. Hein, et Florian Vachon. Et derrière, c'est emmené par l'équipe Lotto Soudal de Krippel. Qui emmène le peloton à très 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 vive allure. Alors, à 10 km, on va tenter de mettre notre train en route. Là, on va tenter de l'emmener notre train avec Benoît Vaugrenard. Voilà, Benoît Vaugrenard qui va emmener le groupe. Géniès, Morabito, Pinot vont pas emmener de gros. Lada News juste derrière. Voilà, s'accrocher
à Jérémy Roy, à Benoît Vaugrenard, derrière voilà, Jérémy Roy qui va suivre Lada News, Sébastien Chavanel qui va prendre la roue de Jérémy Roy, William Bonnet, voilà, qui va prendre la roue de Sébastien Chavanel, et Arnaud Démare dans la roue de William Bonnet. En principe, ça doit être bon. On va voir comment notre train se met en route. Pour l'instant, en train de se mettre en route. Sébastien Chavanel. Voilà. Sébastien Chavanel qui tente de ramener. Ah ouais, là, le train. Jérémy Roy, voilà. Faut qu'on se mette tout de suite. Voilà, là, c'est bon. On est en train d'emmener notre train. Alors après, j'avais mis. Alors, Lada News et Benoît Vaugrenard. Voilà. Train super là. Pour l'instant, en train d'emmener très très bien le train là. Un train d'enfer avec Jérémy Roy maintenant. Jérémy Roy là, qui doit emmener très très fort. Et là, William Bonnet qui doit emmener le sprint. Oh là là, peut-être erreur. Et Arnaud démarre. Allez, Arnaud démarre là. Oh, ça va être dur d'aller chercher la victoire d'étape. C'est dommage. Je me suis loupé un peu dans mon sprint. Et la victoire pour Mark Cavendish. Mark Cavendish. Arnaud démarre fait sixième. On aurait pu aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Je me suis toujours aussi mauvais sur les sprints. Pourtant, mon train était bon, hein, je pense. Alors, Mark Cavendish devant André Greipel, John Degenkolb, Daniel Oss, Brian Coquard, Arnaud Démare, William Bonnet, Nasser Bouhanni, Peter Sagan et Daryl Hampain de Orica. Je pense que voilà, il faut pas que je fasse de train, que je me mette juste dans la roue des meilleurs, comme j'ai fait sur le premier sprint intermédiaire. Où j'étais dans la roue de Greipel et c'était pas mal. Voilà, alors l'arrivée. On va revoir l'arrivée, je pense. Le sprint. On devrait le revoir, voilà, avec la belle victoire de Mark Cavendish. Mark Cavendish qui remporte cette étape. Le classement. Le classement avec la victoire de Mark Cavendish. Au classement général, Tony Martin toujours en tête devant Juan Dennis, Chris Froome, Tom Dumoulin, Bardet. Jérémy Roy toujours 8e de ce classement. Au général au point, Mark Cavendish avec Arnaud Démare qui est à la 5e place avec 25 points. Bien joué, bien joué. Il est dans le coup. Meilleur jeune, Juan Dennis. Arnaud Démare est 8e. Thibaut Pinot, non, n'est pas là.
Et meilleure équipe, la BMC, la FDJ est 9e. Alors voilà. Demain, on va se retrouver sur une étape, je pense, plus compliquée. Avec sur ce final, un final beaucoup plus dur. Je peux pas voir c'est quoi l'étape. Voilà, l'étape qui nous reliera. Ah oui, entre Anvers et le mur d'Huy. L'arrivée sur le mur d'Huy. Comme vous pouvez voir, les favoris seront Valverde, Joaquim Rodriguez, Martin, Michal Kwiatkowski, Alberto Contador, Nairo Quintana, Rui Costa, Nibali, Kreisinger et Froome. Il va falloir bien emmener Thibaut Pinot en bas et qui tente de suivre les meilleurs. En espérant que cette deuxième vidéo vous ait plu et vous me dites votre impression sur la première étape du Tour de France en IRL. C'était PCM50. Allez, ciao!